Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi. Alors c'est une association. Quand j'ai lancé le nom, j'ai piscine avec Simone. Ouais, alors on n'est pas une asso. Hein. Ah bah alors déjà ça commence très mal. Alors je refais un petit. Vous le refaites ? Vous le refait. Mais par contre moi j'ai pas piscine avec Simone. C'est pas moi qui ai piscine. C'est le nom de votre mouvement. Oui. Non alors c'est un média. C'est un média digital qui est né il y a quelques années et officialisé l'année dernière. Voilà. Qui est vieux mais jeune. Alors on parle des plus de 50 ans mais on est un jeune média. Jeune média. Vous avez vu, je me suis trompé sur toute la ligne. On va tout reprendre à zéro. J'ai parlé des plus de 45 ans. C'est bon. Notre cœur de cible, c'est les femmes actives 45-65. Alors, d'abord, ce nom, qui est un média, on l'a bien. J'ai piscine avec Simone, c'est parce que vous vous inspirez de personnages littéraires. Vous évoquez Simone de Beauvoir. Des femmes d'engagement. Des femmes d'engagement. Il y en a plein qui s'appellent Simone. Simone Signoret. Elles étaient plus âgées. Et d'ailleurs, c'était plutôt bien parce que c'était. Il y avait quelque chose d'inspirant à suivre ces femmes qui n'étaient pas périmées par l'âge. Mmh. Et de Beauvoir a beaucoup écrit là-dessus. Votre message, c'est intéressant, c'est de dire quand on a 45 ans et plus, c'est qu'on est une femme. C'est le meilleur âge pour entreprendre, pour bosser. On est encore quelqu'un. C'est le meilleur âge. Et il y a un décalage tellement démentiel dans les boîtes où on est senior à 45 ans. Mmh. Selon l'INSEE, on l'est d'ailleurs à 45 ans. Mais on l'est. Ce qui est aberrant, sachant qu'on est. Les Anglais disent middle age. Donc middle age, c'est plutôt la moitié de sa vie. Mais c'était. Une manière, excusez-moi, d'essayer d'approfondir, parce que Simone de Beauvoir, Simone Signoret, c'était des féministes, c'est des femmes qui imposaient la parole des femmes dans une période où les femmes devaient se taire. Mais il faut l'imposer sur ce sujet-là, parce qu'il y a une disparition des femmes, globalement, pas que sur le travail, hein, au sein de la société. D'ailleurs, il y a eu un rapport parlementaire l'année dernière qui a bien expliqué que cette tranche d'âge est la moins étudiée par les études et donc, l'invisibilisation, elle serait quelque chose de naturel. Quand on va sur votre média, donc il y a des prises de parole, des témoignages, des portraits, des moments de vie aussi. On est assez militants. C'est ce que je voulais vous demander. Ouais, on est totalement vous êtes militants. Totalement. Mais on revendique. Voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va aussi, au sein des entreprises, prendre la parole, éditorialiser les enjeux, parce que les enjeux sont nombreux, et on les accompagne. Parce qu'il y a quand même ce mouvement de se dire à 45, on est sur un siège éjectable, et les associations au sein des grands groupes reçoivent des appels de femmes de 39 ans qui commencent à se dire ça sent mauvais, quoi. Mais quand j'ai piscine avec Simone, puisque c'est c'est ce que vous portez en étendard sur vos t-shirts, quand on vous ouvre la porte d'une entreprise, que vous vous retrouvez devant un CEO, le fondateur d'une entreprise, un président, qu'est-ce que vous lui dites ? Comment ça se passe le dialogue ? Là, vous en avez un président qui embauche et qui a plein de salariés. Je dis qu'il faut déconstruire les stéréotypes comme quoi on serait des populations inaptes aux nouvelles technologies. En fait, nous, on a connu le Minitel, on a connu le Bebop à Paris, on a connu des trucs. Le fameux Bebop. Avec les bornes, on se mettait en dessous. Donc, en fait, on a une capacité d'adaptation extraordinaire. Mais vous vous sentez relégué, parce que l'idée que vous militiez, c'est qu'il y a le sentiment de relégation. Un sentiment d'invisibilisation. C'est-à-dire que l'âge serait une barrière définitive pour tout. Pour la place dans la société. En revanche, on aurait le soin du care. Alors ça, il nous est dévolu, par nature. Parce que c'est pas innocent, parce que la majorité des femmes qui deviennent aidantes ont 52 ans. C'est-à-dire qu'à l'âge où elles pourraient reprendre une totale liberté et professionnelle, c'est le moment où le couvercle se remet sur elles et elles deviennent. Bah, c'est quasiment, je crois qu'AXA avait sorti des chiffres, 75% des aidants sont des femmes. C'est vrai. Et elles prennent en charge, alors non seulement les enfants, leurs propres parents, mais les beaux-parents. Mais excusez-moi, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, vous allez dire, mais que je suis mijeusine, ce qui n'est pas le cas. J'ai le sentiment que, depuis ce qu'on évoquait, la période Minitel, cette espèce de période des années 75, un peu étrange, avec les pattes d'EF, sortie de 68, les choses avaient évolué. Que les femmes, petit à petit, lentement, je le concède, avaient avancé. Trompe ou pas ? Non, pas du tout. Les femmes, à cette époque-là, ont pris la parole, elles ont obtenu beaucoup, la contraception, l'IVG, et puis on est retombé dans une espèce de creux où il n'y a pas eu de prise de parole forte, féminine. On voit aujourd'hui les nouvelles générations reprennent le front. Il y a eu les fémènes qui étaient des mouvements très agressifs, très violents. Mais globalement, on n'a pas pris la parole.
On ne l'a pas prise suite à cette période-là qui était marquée par les féministes américaines. C'est exact. En fait, on était dans leur sillage. C'est ça. Et qui étaient les premières à parler. Et le MLF qui arrive et ensuite. Et le MLF qui arrivait et qui a aidé aussi à la loi Veil et tout ça. Ouais. Parce qu'il y a eu un boulot. 74. Oui, qui était en amont. Incroyable. Ouais. Qui était vraiment en amont, qui a porté les choses. Mais votre discours, donc vous avez un patron d'entreprise et vous lui dites droit dans les yeux. Ne vous trompez pas, n'abandonnez pas ces femmes de 45 ans. Elles sont utiles, elles peuvent vous apporter. Elles ont un degré d'expertise, je dirais, qui est quasiment à leur maximum. Et elles peuvent travailler encore longtemps, puisque aujourd'hui, le côté aussi, je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que 50, on est toujours dans la pré-retraite. Or, les bouleversements sont profonds. Bah oui, on nous dit de travailler jusqu'à 65 ans. On en a moins pour 15 ans. Donc, quitte à refaire des deuxièmes parties de carrière. Changer, switcher, faire de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat. Ça vous évoque quoi, cette rencontre? Parce qu'après tout, c'est comme si vous aviez ouvert la porte de votre bureau et que vous receviez l'association, après tout. Allons-y. C'est passionnant. Je me pose deux questions. La première, c'est est-ce que vous ressentez le même phénomène pour les hommes de plus de 50 ans dans l'entreprise? Alors, il existe. Il existe, il est très différent parce que les femmes sont quand même les championnes du monde du temps partiel, des temps hachés. C'est-à-dire que globalement... Parce qu'elles s'occupent des enfants, vous voyez, on en revient toujours Vous faites des enfants, vous avez, 33, 34 ans, vous vous arrêtez, vous repartez sur une carrière et puis finalement, vous avez 10-15 ans pour faire carrière. Là, vous reprenez à 42 ans parce qu'il ne s'est pas... 42 ans, et à 42 ans, vous vous dites, oh là là, dans 3 j'ai plus que 3 ans. C'est mort pour moi. Et pour vous rassurer, parce que en vous écoutant, je me remémorais les embauches de femmes que nous avions fait ces deux dernières années au niveau de la direction du groupe, et en réalité à chaque fois on a fait le choix de l'expérience sans donner l'âge des gens que nous avons recrutés, mais à chaque fois entre deux candidats, un candidat qui était plutôt dans la trentaine et un candidat dans la quarantaine, à chaque fois on a fait le choix du candidat dans la quarantaine. Génial, on va venir vous voir. Cette émission de créer des liens. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de déconstruire tous ces stéréotypes qui sont très souvent et même inconscients par les femmes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des freins aussi à ce que des femmes disent de toute façon... L'autocensure est plus terrible. L'autocensure, elle est terrible. Avant de nous quitter, c'est vraiment la passion que vous nous transmettez à travers ce média. Il faut aller évidemment sur J'ai piscine avec Simone, même si vous n'aimez pas l'eau, vous ne risquez rien. Vous restez au bord. Même si on ne sait pas nager, on peut aller... est-ce que vous êtes quand même, vous l'avez dit, militante, est-ce que vous revendiquez finalement d'une prise de position politique à travers ce... Nous, on est politique parce que justement, on a été voir des politiques. Et alors là, on est tombé de la chaise parce qu'on nous a dit « Ah oui, le travail des seniors ». Et cette espèce de conglomérat senior, parce qu'on parle de quoi? On parle, nous, de femmes actives de 45 à 65 ans, et après, il y a le grand âge. Et tout qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Et tout ça, on vous dit « Vous êtes senior ». Et le terme est débile. C'est un peu dégradant, senior, quand même. C'est dégradant pour tout le monde. Pas seulement... Et je pense... Et les politiques... Et junior aussi, dans ce cas-là. Mais junior. mais junior, il y a un petit côté sympa, quand même. Il y a quelque chose qui nous attend, quoi. Et d'ailleurs, dans les plans de relance, on voit bien que ce volet-là, il est passé aux oubliettes, à la trappe. Et on voit bien que les politiques ne bougeront pas, elles ne bougent pas. Donc nous, on préfère mobiliser la société civile, qu'on trouve beaucoup plus réactive, et on se passera des politiques. Ils sont les bienvenus, mais on va commencer sans eux. Bon, écoutez, voilà, le couperet est tombé. Vous irez directement voir ceux qui décident et ceux qui embauchent, parce que ce sont eux qui décident et qui changent le monde. Nous, on va aller voir les RH et les responsables diversité et inclusion, parce que là, je n'en fais que très rarement partie. Merci à vous Sophie Dancourt. On a bien rectifié, donc ce n'est pas une association mais un réseau et un mouvement et un site. Il faut y aller, j'ai piscine avec Simone. Et puis je remercie Jean-Emmanuel Rodo-Kanakik, président du groupe Les Petits Chaperons Rouges, qui est une très belle entreprise. Vous vous êtes rencontrés, voilà, c'était une rencontre aujourd'hui sur ce plateau. Merci à Fanny Griesmer, à toute l'équipe, Alex Popoul, je pense l'avoir mal dit, et puis à toute l'équipe son en régie qui m'aide dans cette émission. Je vous retrouve évidemment lundi pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien d'ici là et restez fidèles à nos programmes sur Bismarck. Il y a plein de choses à voir. Bye bye.